Bonjour YouTube, bienvenue pour cette nouvelle VOD. Qu'est-ce qu'on va faire? Elden Ring en top tendance américaine, ce serait cool, enfin un peu d'Elden Ring, mais conseil d'ami Yotep, arrête de regarder les réseaux. Parce que s'il y a un truc qui leak que t'as envie de découvrir, tu vas avoir le seum de pas le découvrir pendant la hype. Non, parce que je pense que tu pourrais faire découvrir le prochain trailer d'Elden Ring pendant la conférence que dans un vieux leak Twitter dégueulasse. En 480, en 420p. C'est pas très grave, oui, mais bon. Pas en poitou comme tu veux, je m'en fous. Repousser les gens, c'était pas mal. On peut débloquer les Skitarii Vanguards, qui sont stylés. Et le pistolet grosse. En vrai, il est pas mal le phosphore Sperpenta là, mais. Ah, je sais pas. Non, on va faire ça. Un jauge de connaissance en plus, c'est win. Alors, le vent du fléau. Les émanations du tombeau d'Ubjao abîment l'équipement et nuisent au moral des forces de l'Adeptus Mechanicus. À suggestion de Lector Dogmatis Videx, placez les encensoirs sacrés dans le tombeau pour bannir le miasme. Allez, faisons ça. On reprend nos champions. Alors lui, j'ai pas eu vraiment l'occasion de tester vraiment de voir ce qu'il faisait, donc on va le reprendre. On va se reprendre un Avant-Garde Skitarii, parce que je les aime bien. Et puis un petit infiltrator pour le plaisir. Allons-y. Magos, la découverte de ce tombeau entraîne une immense perturbation. Je vois tout à fait, Videx, cet endroit est réellement infâme. Espérons que les maladies qu'on y trouve ne se transmettent pas aux humains. Un aspect de l'infamie de cet endroit qui n'échappera certainement pas à notre personnel au sol. On parlait de la puanteur. Les technopathes ne sont pas perturbés par ce genre de choses, mais notre personnel mot augmenté se plaint du problème avec véhémence. Les émanations endommagent sérieusement les composants des recycleurs d'air. Lévistien 7-14, l'avenir paraît bien morne lorsque souffle le vent noir de l'hérésie. Votre solution, Lector Dogmatis? Les encensoirs sacrés placés au point clé du tombeau d'Ubjao repousseront les fumées toxiques. Je m'y attendais, et je présume que les technopathes qui sont sous mes ordres devront pénétrer dans le tombeau pour y placer cet encens. En effet, nous nous rejoignons sur ce sujet, Magos. En plus, c'est un peu le mec de. Le mec de... des dogmes, c'est notre conseiller religieux. Le tombeau du Bjao est infesté et l'atmosphère est toxique. Nos respirateurs et nos glandes de filtration sont endommagées et poussées à leurs limites. Lorsque ce travail sacré sera terminé, l'environnement deviendra beaucoup plus agréable. J'espère que vous avez raison. Aucun des Skitarii n'apprécie être envoyé dans le tombeau du Bjao. Ils accompliront leur devoir. En effet, Magos, et ils ne manqueront pas de se plaindre. Nous sommes prêts à partir. Les Skitarii, si vous voulez pas vous faire reprogrammer, vous allez vous calmer. Hein. Bon, on commence direct avec une baston. Direct. Direct la bagarre. Tuer tous les ennemis, ça a le mérite d'être simple. C'est full écorcheur. Il n'y a pas de scanner. Donc c'est ouais, c'est baston là, il n'y a pas à réfléchir. Donc on va se mettre dans un coin et on va commencer par... Ah non, attends, c'est un escalier ça. Ouais, si, on va quand même se foutre par là-bas. On va les mettre à la queue leu leu. C'est Lulune qui commence. Il va se mettre au cac. Je suis ici. Ça, je te tire sur lui. On n'oublie pas d'utiliser son cerveau skull. J'aime bien leur pattern de couleur comme ça en rouge et noir. Oh, il fait tellement peur maintenant, Lulune, par contre, c'est terrible. Ok. 14 PV. Ah oui, non, mais c'est pas un random du Stunfest, lui, c'est un quoi.
C'est un big boss lui. C'est pas juste un guerrier Nécron. Bon bah deux d'armure, espérons que ça serve. Hein. Espérons que ça serve. Hein. 4 de dégâts en plus. Oh, il va tirer sur les potes. Ok, ça va. Déplacement réduit, par contre, c'est chiant. Oh, la musique. Mais non, pas les critiques. Ok, l'étape se répare. Le cerveau Skulls, là-bas. En vrai, mon bon, il était. Tu pourrais pas leur tirer dessus. Hein. Bon, non. Non, on va s'en tenir au plan. On passe par là. Ah, on n'a pas assez d'énergie. Ça, c'est chiant par contre. Bon, on économise. Hein. J'aurais dû utiliser son île par contre. Je pense que c'était une erreur. Hop, lui, il récupère tout. Et du coup, il récupère son cerveau skull dans deux tours seulement, ça c'est fort. Alors, fais voir un peu la zone d'Avo, ça ressemble à quoi? Ah oui. D'accord. Bon, là en l'occurrence, pas trop d'intérêt, mais. Il pourrait fumer du coup. Hein. Ah si, en fait, go. Brûle. Ok, nice. 4 de dégâts. Pas mal. Magnifique. Elden Ring, oh Elden Ring, shattered by someone else of him. Ouais, ouais, hein. C'est ça la chanson. Il y a une chanson. C'est magnifique. Oh, il le rate. Oh, et Stan, let's go. Il taf, hein. C'est notre soutien pur, mais il tient. Il pourra jouer comme un bourrin en plus. Hein. Alors, fous-toi là. Gros coup de hache dans sa daronne. Comment ça hein? Il a pas de points. Il peut rien faire du coup. S'il peut le tirer. Ok, mets-toi dans le passage. Merde. Attendez, je joue comme un pied. Non, écarte-toi. Voilà. Tire sur lui et mets-toi là. Ça t'es dans le chemin. Mets-toi un peu. Ok. Opportunité, tue-le. Parfait. Alors, prends un peu. Dégâts absorbés, magnifique. Il y a trop d'armure pour eux. Parfait. Notre bon Yotep qui a malheureusement pas de points, hein. C'est dramatique. Tu peux tirer sur des gens? Où est-ce qu'il y a des XP là? C'est loin. Hein. Oh, il y a un scanner, j'avais pas vu. Vas-y, en vrai, on va commencer à l'écarter un peu. Yotep, la petite araignée. Merde, ils suivent. Oh là là, en fait, je me suis mis dans une situation de chiasse. Je me suis mis dans la merde. Dans la buse. Ouais, puis il va bien falloir que je bouge, hein, de toute façon.
Comment ça va, il absorbe. En même temps, il commence à être tanky, hein. Sur lui, comme ça il pourra bouger. Et ça fait d'autres compétences. Duquel on peut tirer sur eux. Eux deux. Ça a l'air. Ah oui, l'arc est bon quand même. D'accord, ouais, donc non, l'arme elle est fumée. L'arme elle est fumée. C'est très très fort en fait. Ok. Et il tank. D'accord. En fait, Esti, il va devenir super fort, j'ai l'impression. Avec son arme là. Parce qu'il va pouvoir retirer en AOE. Il va casser la gueule à tout le monde en fait. Ok, parfait. Et bah toi tu vas pouvoir courir hein. J'ai pas récupéré l'XP sur lui, ça par contre c'est une connerie. Ouais. T'as combien de... Ouais, il faut les garder pour Yotep. Va falloir pas trop tarder hein, parce que par contre ils sont beaucoup par terre et s'ils se relèvent on va le sentir. En fait ce serait très bien, tellement bien qu'il y ait de l'armure énergétique vu qu'à chaque fois ils veulent faire chier leur... ok. Bah du coup changement de plan hein, si c'est l'une qui y va toi tu vas bourlinguer et tirer sur tout le monde. Je t'en prie, je t'en prie. Voilà, tout simplement. Oh non, il peut courir là, non? Ça se tente le marathon, hein? Vous savez quoi, vas-y, il y a peut-être juste pour la blague, tu crois. Alors le jeu, il va pas voir la distance. Ah, c'est nickel. Bravo, Yotep. Tu cours bien. Il boop l'argent. Voilà, c'est tout ce qu'on te demandait. Il toi pour le principe. Ah non, c'est vrai que ça coûte des... Tant pis. J'aurais dû le heal avant. Est-ce qu'il peut l'achever? J'en doute. Quoique après, il a le cerveau-crâne hein, pour l'XP. Parce que d'ici, tu le touches pas. Ah si, et bah MDR. Brûle. Brûle, créature démoniaque. Oh. Et on a un peu de connaissances pour la prochaine. Où on pourra invoquer un skitaï d'avance. Parfait, parfait. Nickel. Une zone de cette jonction de couloir est choisie pour placer l'encensoir. Un puissant courant d'air souffle sans crier guerre dans cette intersection et risque de disperser l'encens avant qu'il ne puisse remplir sa fonction sacrée. On va booster l'encens. Oh merde, ils sont pas contents. Les membres de la corde tentent de modifier la composition de l'encens grâce au carburant prométhium, mais l'encens date de plusieurs siècles et a été fabriqué grâce à des techniques alchimistes perdues dans l'impérium. Il faut voler, l'horrible puanteur dégagé par l'encens serait pire que l'odeur des compositions. Chiotte. On fait nimp. C'est vrai qu'il faut pas innover, hein, l'Adeptus Mechanicus. On fait selon les règles normalement. Et je suis un con, le rond c'est non. Je dois le savoir. Oh là là, ça y est, tout le monde s'énerve. Ah voilà, maintenant le rouge c'est non, on sait. Ah voilà, il se heal. Parfait.
Parfait, parfait. Go. Bon bah elle aurait été vite bouclée cette mission, j'ai l'impression, YouTube. On pourra en faire deux. Scanner ou détruire un. Ok. Yo-Yo, il va aller où? C'est où qu'on doit scanner et détruire? Là-bas. C'est... Alors par contre, ce que j'aime pas avec leur vue du dessus, là, pour... En fait, ils sont bien gentils, hein, mais en fait, en vue du dessus, tu vois pas le relief. Donc c'est casse-couille pour savoir un peu où t'as envie d'aller. Là, par exemple, est-ce que ça a un sens? Ramp, ramp. Donc ça, ici, c'est au même niveau qu'ici, c'est ça? Et est-ce qu'on peut tirer à travers? On n'en sait rien. Ça gonfle. Non, bah, on va yoter, puis il va partir par là-bas. Il prendra l'XP, il ira là-bas, se repositionner, et scanner par derrière et tirer ensuite de loin. Maintenant qu'on sait que Luloun et Esti, ils peuvent tenir la ligne. Et je pense qu'on va tout de suite invoquer l'infiltrateur. Go. Alors ça dit quoi? Ouais, je pense pas qu'il pourra tirer à travers. L'infiltrateur donc, qui va aller gentiment se positionner pour pouvoir tirer après sur tout le monde. Personne en vue du sofa. On va essayer de pas te réparer tout de suite. Hein. Tu vas te mettre par là-bas. Utiliser ton cerveau sur ça. Attends, c'est quoi déjà mon effet? Effectue une attaque. En vrai, on a envie de se foutre au corps direct. Et... Non, mais il aura pas assez pour attaquer. Non, c'est de la merde. Non. Il va rester en invisible. Et lui, par contre, mon bon Yotep, il va commencer à se déplacer par là. En espérant qu'il puisse pas nous tirer à travers les murs. Auquel cas, c'est la merde. Il n'y a personne qui spawn, hein. Tout le monde arrivera d'ici et d'ici. Normalement il devrait être plutôt safe par là-bas, j'espère. Niveau scanner, celui-là. Voilà, comme ça tu boostes les connaissances pour tout le monde et on se met bien. Parfait. Toi par contre faut que tu bourres. Toi faut que tu mettes les dégâts. Il va prendre son gros mortier là. Ah non, mais il tire sur le jeune. Oh le con. Merde. J'ai bourré dans les potes. C'est pas bien. Enfin, il tue même pas en plus. Salopio. Bon, vas-y, fais-toi pardonner, il le. On va arrêter de team kill Luloun, hein, ça commence à se voir. Ça commence à se voir qu'on en met plein la gueule à Luloun. Ouais, du coup, par vengeance, Esti va se faire tirer dessus par tout le monde, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, lui, il a un d'armure d'énergétique, hein, donc ça permet de tanker un minimum. Mais je suis pas sûr que ça suffise. Ah, l'opportunité, nice. Pan. J'aurais préféré qu'il la fasse sur lui, mais ça va, c'est bien. Et du coup, il va se faire tirer dessus. Dommage. Et il esquive. C'est vraiment un héros, Esti. Hein. Vraiment le héros. Ok, il est l'heure de tirer sur les méchants. Non, il y a l'autre qui joue. Non, toi tu le.
sur un bon jet, on gagne. Parfait. Oh, et en plus, il détruit les cadavres. Hein. Ça, c'est bien, bien, bien pratique. Comme ça, il va choper la connaissance. Il scanne. Est-ce qu'on les scanne? Ouais, non. Il vaut mieux éliminer les menaces actuelles pour l'instant. J'aimerais que tu te mettes là, s'il te plaît. Le mieux, c'est de le mettre là, comme ça il embête tout le monde à la fois. Et en plein milieu de la mêlée, c'est terrible, mais au moins, fait chier tout le monde. Et lui, on fout là-haut, mais c'est à dire qu'il tire sur personne. Bois tempo un peu. C'est pas le feu. Dommage que tu puisses plus accéder à celui-là tout de suite. Oh dommage même. Lui il est de l'armure, donc on va plutôt tirer sur lui. Nickel. Bon. Oh, 6 de dégâts, ce qu'on lui met. Comment ça, lui, il s'en fout. Ah, il arrête qu'une seule fois. Ah, j'ai raté un épisode du coup. Un épisode qui fait très mal. Oui. Bon, il faut pas oublier, on a notre quantique. Oh putain, on a notre quantique qui permet de régénérer d'un coup là, il va falloir l'utiliser. On va pas l'oublier. On te tire sur les renforts. Hein. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas invoquer des mecs en plus. N'oublie pas, des 10 PV. Il faut qu'ils tiennent. Hop, vas-y, invoque ça. Ça, ça suffit. Putain, fais chier. C'est à 3 ça? Ah ouais, merde. Leur PV à eux, c'est quoi? 2 et 3. Ils viennent quoi qu'il arrive, donc vas-y, hein, tant qu'à faire. Du coup... Là, il tue ces deux-là. Il survit le traîneur derrière, ah, ça rend fou. Mais, par contre, il récupère suffisamment pour taper sur lui. Il tape comme un camion. Ah, il lui retire son armure en plus. Ok, c'était un plutôt bon tour, je trouve. Là, c'est notre bonhomme qui va prendre à la place du Tech Priest. C'est parfait. Bon, Yotep, c'est l'ordre de courir. Let's go. Bibou, biboup. Argent. Oh là 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 là, et oh. Oh les bâtards. Oh, il y en a derrière lui. Oh putain, c'est la merde. Bonne chance, Yotep. Je t'ai toujours apprécié, sache-le. Bonne chance. Tue-le. C'est au moins ça. Tiens, tiens, tiens. Ah, tiens, tiens, tiens. Allez là, tiens, 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 2000. Au moins. Et là, il faut courir. Il faut courir. Faut pas rester là, surtout pas. Ok. Bon là il tient. Bon après maintenant Yotep il a l'armure. Ouais voilà, donc il prend pas trop de dégâts des guerriers Necron. Par contre les écorcheurs, ça va, il focus l'autre. Il focus Esti qui dodge tout. Parce que c'est vraiment un bronze. Estis d'ailleurs qui va nous regagner 2 des connaissances.
qu'il est en mêlée. Il faut pas que ça dure. Il faut que ça cesse. Il touche vraiment personne de là. Tout le monde de là. Ah go, vas-y. Dégâts absorbés, ils s'en bat les couilles. Esti, c'est en train de te passer MVP doucement mais sûrement dans l'équipe. Hein. Regardez ça. Je blue. Mais je brûle. Oh là 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 là, mais oui. Oui monsieur, aide-toi du coup, vas-y. Chase Window Max. Le héros. Stan le héros. Dégâts, il s'en fout. Les deux autres arriveront pas ce tour-ci. Ah, quoique. Ah, il court vite quand même. Hein. Mais il esquive, il s'en fout. Opportunité, du coup, on lui fume la gueule. Parfait. Ouf, ok, tout le monde absorbe à part lui. Ok, il réanime plus vite. Pas une bonne nouvelle pour nous, ça. Qui a pas de vie en face? Lui, il y a 3 PV. Allez, tue-le. Et... vas-y, il faut que tu te mettes là pour prendre l'opportunité. Allez, il faut pas traîner. Le gros bonhomme, il faut qu'il meure. C'est un fait. Ok, connaissance, ça ça tire que les ennemis, vas-y bourre. Ok, ok. Ah, détruire les machines une fois qu'on les a ramassées, ça peut réduire leur éveil, c'est une bonne chose à savoir. On sait pas combien ils ont de vie ceux-là. Vas-y, dans le top 101. Il récupère la connaissance sur celui-là. Oh, c'est un bon tour pour Luloun. Il peut se vider. D'accord, il s'en fout. Bon, après c'est le guitare qui prend, c'est pas grave. Il tank. Et Steve va finir le boulot ici, je suppose. Ah non, il y a l'opportunité, ça va être beau. Bon, c'est pas grave. Un peu relou, mais on s'en remettra. Vas-y. Fais-moi plaisir. Et défonce. Ah non, c'est Yotep. Putain pour moi. Ah, mais là, le problème, c'est que Yotep, il tire les potes. Il tire sur les potes. Là, on n'a vraiment pas besoin de ça quoi. Vas-y, tue-le plutôt. Et tu te mets comme ça. Et là, tu peux lui tirer dessus tranquille. Parfait. Qui a besoin de vie? Lui. Yotep attaque, mais ils also protect. Voilà. Et il peut reculer pour aller chercher le point de compétence, enfin le point de connaissance. C'est parfait. Excellent tour. Oh merde, je l'avais oublié ce pont-là. Je l'avais oublié ce pont-ci. Voilà qui est en merde. Merde. Ah bah voilà, mon beau plan tombe à l'eau, du coup.
Les tentacles. Arrête, j'ai l'impression d'avoir ton allié dans mon chat. Il y a combien de vie? On ne sait rien. Hein. Bon, on sait, fiche, je trouve rien. Bah, tire des gens. Propé. C'est en merde. De toute façon, je ne peux rien y faire. Hein. Ouais. À part ce grouiller, hein, ils vont commencer à se relever. Hein. Prochain tour, il y en a qui se relèvent. Hein. Ah bah, c'est ce tour-ci en fait. Qui se relève? Lui derrière. Personne n'aura le temps de jouer d'ici là, si. On va lancer notre Rostalker ici. Ouais, on peut lancer tout le monde de toute façon. Non. Ok. Il faut pas que ça se relève. C'est un petit peu l'idée là. Je pense que on peut se le permettre à vrai dire. J'adore le faire. Toi tu serviras plus. T'es full vie, casse-toi. Donc là il se relève. Il va être à côté de lui, l'une qui va lui mettre une patate. Voilà. C'est bon. Ok. Maintenant. On se fout, regardez une écran. On sert au skull, on peut pas oublier. Et on lui met une grosse tatane. Et faut gagner. Ok. Alors, on dirait que ce n'était pas un choix très judicieux pour l'encensoir. Comment ça? Verset 619 de Méditation Logicae. La lumière sacrée éclaire bien faiblement aux endroits où les ténèbres impies se sont abattues. Pas besoin. La chambre d'encensoir a été placée et parsemée de morceaux de peau humaine sanguinolents, et les murs sont gravés avec des symboles nécrons dégageant une aura impie. Il faut sanctifier avec des prières pour annuler les effets. Parfait. Car les membres de la corde te parviennent à contrebalancer le côté oppressant de l'endroit et contre toute attente, ils redonnent tranquillité et pureté et ils y placent un encensoir et sont ragardis par l'idée que la lumière sacrée. Tiens. C'est gagné. Les encensoirs sacrés commencent à diffuser des nuages de fumée bénie, neutralisant les toxines à travers le tombeau. Même si le tombeau du Bjao reste un environnement extrêmement désagréable et dangereux, les effets les plus graves de la contamination atmosphérique sont neutralisés et Skitari peuvent y agir avec plus d'efficacité. Super. Le tombeau du Bjao pose un risque moral déjà moins sérieux pour notre mission. À l'occasion de Kalemnan 525, le doux encens de la foi conquiert la puanteur de la corruption. Mais les résidents n'en sont pas moins hostiles à notre présence. Et ils seront détruits, Magos, comme tous les Xenos sur cette planète. Ils tomberont sous nos assauts. Commentaire Macarien, chapitre 71, tandis que nous purifierons le sol sous nos pieds, ils ne trouveront aucun refuge. J'admire votre engagement, Videx, mais la foi ne suffira pas à faire réussir notre mission. C'est pour cela que nous sommes armés, Magos, pour compléter nos prières. Incroyable. Ça, c'est. Ça, c'est un peu comme les âmes. Bon, ils ont pris un peu de dégâts, mais globalement, c'est rien par rapport à ce qu'on gagne, donc c'est parfait. Oh ouais, on a tabassé du monde, hein. Et donc on a un point de plus en compétence. C'est pas mal, ça, faudra qu'on voit si ça peut avoir un sens. À nouveau 800 d'XP. Alors attendez, encore une fois je veux voir, est-ce qu'on a bientôt un nouveau perso? Plus qu'une heure, ouais, j'ai vu, on a le temps d'une dernière mission, je pense. Puis après, on va voir la conf. Nouvelle mission pour les Rangers Skitari rang 2 et un. Ah voilà,
Ah ça il faut qu'on aille la faire, on va finir sur ça pour avoir un nouveau tech priest. Parce que les tech priests c'est la vie quand même hein. Ah ouais ça aussi c'est super fort quand même, je viens de capter en fait mais... C'est difficile ces missions mais ça vend du rêve. Ah oui il me propose une griffe que j'ai déjà chopée avant, ok. Bon, les level up des poteaux. Alors Yotep, il peut aller chercher quoi? Estimulant d'énergie coûte. Alors je sais pas ce que c'est. En fait, faut qu'on aille chercher ça à tout prix là. Donc même si je sais pas ce que c'est, on prend. Est-ce qu'on peut lui donner un truc cool? Il est à quoi? Il a un point. Il peut reprendre potentiellement le petit truc pour celui de lui-même. Bah, tu sais quoi? On va prendre le truc là pour tester, pour chercher les compétences. On va voir. C'est quoi? C'est ça là? Ça lui fait un tentacule en plus. Bravo, Yotep. Bravo pour tous les tentacules mécaniques. Luloun. L'utilisation des générateurs de champ de force coûte moins 1, mais je sais toujours pas ce que c'est. Hein. Bon, ça c'est un peu pareil, hein. On a envie d'aller le chercher hein, pour en faire une route. Qu'est-ce qu'on lui donne à lui? C'est quoi ça? Deviens la suppresseur. Ouais, bof. Coûte cher tout ça. Il peut se heal. Prendre la petite pince de heal gratos. Hein. Merde. Ah, elle était déjà là, merde, j'avais pas vu. Ah bah non. Ah, c'est quoi que j'ai pris hein? Ah si, c'est ça. Ah, c'est. D'accord, je crois que c'était là-haut. Autant pour moi. Et du coup, Esti. Lui c'est armure et à la fin il chope quoi rempli à jeu je connais. Ah ouais, MDR. De PV max et d'autres vitesses de déplacement. Allez là, full armure. Bravo à toi. Parfait. 22 heures pile, ouais. On a le temps d'en faire une dernière. Bah du coup, on avait dit celle qui nous permet d'avoir un priest en plus. Hein. Subdominus Kepra a suggéré une attaque symbolique contre les Nécrons consistant à renverser une statue d'Agrolex. Cela devrait remonter un peu le moral des troupes Skitari. Donc on a les Rangers en deux, Sandball, un Technopriste. On va combattre des Destructeurs, des Prétoriens, des Marques de la Mort, des Acanthrites et des Yari Nécrons. Ça fait pas mal de monde quand même. On prend nos prêtres, évidemment. Alors maintenant la question c'est que vu ce qu'on combat... C'est surtout des tireurs. Donc on va voir des mecs avec de l'armure à distance, tant qu'à faire. Et qui infligent. Alors par contre, ouais, je sais pas ce qu'ils ont comme armure. Je pense qu'ils vont surtout avoir de l'armure énergétique. On va en prendre deux comme ça et un comme ça. Passer full distance avec surtout des dégâts physiques, ça me paraît logique. Ouais, vas-y, on l'attend comme ça. Une personne comme vous, pourvue de dispositifs de répression émotionnelle, aura peut-être du mal à comprendre, mais notre morale est mal au point, ma gosse. Le Seminaria Militum est très explicite concernant l'importance du moral sur le champ de bataille. Je connais bien les facteurs pouvant l'affecter. Bien, car il est mal au point pour toutes les cordes déployées sur dans la vallée des tombeaux. Les Skitari sont fortement sollicités et doivent faire face à un ennemi immortel qui n'est jamais à court de chair à canon. Suite à votre énoncé des faits, nous allons bientôt proposer une solution. Frapper symboliquement, une attaque d'envergure est visible qui sera bien perçue par les Skitari. Le tombeau d'Akrolek contient une statue à son effigie qui fera une bonne cible. Je vois. Cette proposition sera évaluée en tenant compte des autres priorités de mission. Spoiler, on y va. Peu importe qui fut le seigneur Agrolek, il aimait clairement fabriquer des statues de lui-même. En cela, il n'était pas si différent de nombreux humains.
Votre affirmation me fait produire de l'inquiétude et de la déception. Merci de ne pas comparer le Xenos aux humains. C'est un affront à toute l'humanité. Bien sûr, Magos, mes Skidari ont exploré les lieux, mais ils n'ont pas été en mesure de détruire la statue du fait de la forte résistance des Nécrons. Si elle tombe, cela prouvera que les Nécrons ne font pas ce qu'ils veulent sur Sylva Tenebris. Très bien. C'est très grand. Donc on va pas traîner. On va faire comme ça. Yes, go. Ah, des glyphes qu'on connaît pas. Signe d'Escaven ou un demi-cercle. Signe d'Escaven. Oh, nice. Ok, l'Escaven, c'est la connaissance. Premier combat. Ça veut dire qu'on peut direct balancer une troupe. Combat 1, ça c'est bien. Oh là, c'est quoi ça? Désignation prétorien, classe d'armes, bâton du pacte. Ces noms correspondent aux archives de l'Imperium, hein, mais leur existence est antérieure. La SAC peut posséder des informations à ce sujet, laissez-moi vérifier. Les écritures Nécron se sont montrées déchiffrables. Hein. Ils ont catégorisé leurs arsenaux et leurs déploiements régimentaires. Leur fierté de ne pas chiffrer leur désignation de nom nous ont permis de les décoder en binaire nosphérique. Cela semble être votre réponse, Xenobiologis. Les prétoriens à parcourir le ciel avant l'assaut, attendant souvent l'occasion. Il ferait mieux d'éviter d'interférer avec les banques de données de Resac à l'avenir, particulièrement lorsqu'il est en cours de téléchargement de données ennemies. Oh oui. Ah, les technoprestres doivent fuir, mais on sait comment ça finit. Hein. Ils vont fuir, mais au final, on va se faire casser la gueule. Donc c'est ça, les prétoriens du triarque. On va payer des voleurs de ressources. On va passer en force par le milieu, hein, ce coup-ci. Et on va invoquer un infiltrator. Parfait. Yotep avance. La fourmi elle vole les connaissances, donc il faut aller choper ça vite fait. Tu n'as personne sur qui tuer, mais tu peux collecter. Je comprends pas comment ça marche. On verra ça au prochain tour. Il y a la portée là, non? Nouvelle règle. Ok. Il vole. C'est quoi qu'il y a dans le dos là? Non, c'est une boboule. Ok, alors par contre tu étais pas pris cher, j'avais pas anticipé ça moi. Il faut qu'il bouge, hein. Pas le choix. Il est vite parfait. Allez, il révèle sa vie. Il y a beaucoup d'armure énergétique. En plus, ça sert à rien qu'il reste là, en vrai. Ça servira à rien. Devenir serveur de groupe qui est vivant. Ouais, on va faire ça. Tu te fous là. Tu le heal. Tu heal encore même. Ouais, comme ça, il est prêt. Ok. Infiltrator, il peut se mettre tranquillement là derrière.
Les tirs en physique, normalement tout passe. Excellent. 4 de 6 de vie, normalement lui on s'en occupe tranquille. Tout avance. Sauf que. Ouais, non, c'est bon. J'allais dire, il n'y a plus de connaissance, ça aurait été la merde. Ah, toi, tu te mets au cac et tu le classes Slagero. Il ne meurt pas, c'est chiant. Ça y est, merde. Parfait. Et il est détruit. Qui arrive par là. Il vaut mieux que ce soit lui qui prenne les coups. Hein. Ok, je pense qu'on a pas trop mal joué. Ah il a deux mais j'avais pas vu en fait, je lui ai mis deux heals. C'est peut-être pas très malin, mais ok, c'est pas grave. Quoique si, c'est peut-être pas mal en fait. Vu qu'il va encaisser tous les coups dans la gueule. Le sniper qui se TP, je l'aime pas trop. Pas d'ennemis pour l'instant, mais après il y a beaucoup de tombes, hein, donc je pense que ça va pas dans tous les sens. Hein. Il faut s'y attendre. Vas-y, je le pique. Bon, donne ta connaissance. Ok, c'est rigolo. Il faut qu'on bouge. Vas-y. Hey. Faut qu'on tire un petit peu là. Attends, mais j'ai vraiment cette distance là par contre. Bah vas-y. Deux feuilles. Ouais, il absorbe, ça sert à rien de lui tirer dessus. Voilà, bah il y a la fourmise, donc ça devrait aller. Ah, on pourrait scanner aussi, hein, cela dit. Mais bon, ne gridons pas pour le moment. Faire quelques dégâts. Ça dit, le problème c'est que j'ai que des dégâts énergétiques, en fait je suis dans la merde. Ouais, il va falloir qu'on bourre. Hein. Ça dit, il y a l'une qui passe derrière donc il faudrait pas trop. Ça sert à rien. Faut qu'on avance. Ça c'est bien. Ok, ça c'est cool. Petite fourmi elle arrive. Elle peut attaquer. Non mais sérieux. Ok, très bien. Très bien. Le sicarien, il faut absolument qu'il aide à descendre les PV du prétorien. Parfait. Des bons jets. Puis il se met à couvert du sniper. Et alors là, il faut bourrer. Hein. Toute la vie, il faut bourrer. Poursuivre. C'est. Ça dit dégâts énergie. Allez, j'y crois. C'est bon ça. Parfait.
Pourquoi j'oublie son petit flingue? Faut pas le sous-estimer. Parfait. On retourne pas mal la situation là. Oh bah alors là toi t'es vraiment mon héros. Bravo. Bravo pour ça. Surtout si les cons ils ont pas envie de repop, moi ça me va aussi. Pas vraiment besoin, mais... Non, il faut qu'on... Non, c'est bien. On a besoin de celui-là. Bon, le scanner, je crois que c'est mort. Par contre, on n'arrivera pas à l'atteindre. Quoique... On sait pas combien il y a de PV, lui. Merde, je tire forcément sur le poteau là. Bon, allez, on y croit. Des dégâts quand même. Hein. Allez, comme ça il se casse. Oula, j'aime pas ça. Ah, Yotapi se régène quand même. Et il va chercher les sous-sous. Parce que quand même merde hein. Voilà. Alors, t'as pas te faire tirer dessus par le sniper s'il te plaît. Voilà, passe là où c'est safe. Ah, par contre ça va être emmerdant, comment on va passer? Vas-y, bah donne-nous ces stats. 4 PV. 4 PV. Et si je bouge, je me fais fumer. Hein. Ouais, c'est ça. En vrai, on va se mettre à couvert. Hein. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. S'il fait un geste, il est mort. Cela dit, on prend lui. Vas-y, cours. Oublie que t'as aucune chance. Bon, ça va en fait. Il tank. Vas-y, le petit. Défonce-lui la gueule. Parfait. En plus, zéro sans accroc. Bah, courez, mes amis. Récupérer les connaissances au passage et puis courez. À toi qui fais du piano avant la conf. Ah. Peut-être qu'il demande si je. Il demande si je stream, puis après il regarde plus mes streams. Il regarde plus. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en fous, c'est pas un sous-saï. Je n'arrive pas à l'XP là. Ça marche. Je comprends rien au système de ce truc là. Tu me dis task. Quel homme. Toi, il, toi. Tout mon épaule vie, c'est bon. Ça. Cours petit, mais d'abord tue ça. Bien pété la gueule, on est con hein, sur celle-là par contre.
permettre de heal tout le monde full vie et tout, quel plaisir. Hein. Un peu chiant parce que je laisse traîner pour le timer, mais ça la vie. Allez, bouge. Tuer tous les ennemis, bah c'est déjà fait. Et plus personne. Ah, par contre, on récupère full énergie du coup, ça c'est bien. C'est-à-dire que la dernière bataille, normalement, on roule dessus. C'est faux. Une série de statues dans la chambre suivante montre plusieurs seigneurs nécrons sans nom. Chacun portant différentes armes et signes de leur autorité. Bien qu'elles ne soient pas aussi dramatiques que la statue cible, elles incarnent l'égocentrisme surdimensionné des chefs nécrons. Vas-y, on casse tout, hein. Des tirs et des grenades réduisent les statues à l'état de gravats calcinés dans un acte de colère vertueuse contre les blasphèmes représentés par les nécrons. Le bruit et les éclats de colère attirent l'attention, mais les statues sont faites de métaux précieux pouvant être récupérés et l'impact psychologique d'un tel coup ne doit pas être sous-estimé. Magnifique. Donc là, on va par là-haut. Hop. Ça, c'était quoi? C'était deux de connaissances, donc on va prendre ça plutôt. 3 PV, bon, il est déjà full life. Corte tombe sur une skitaille solitaire. Le bras de cette soldate est grièvement blessé et sert de coursière à son unité depuis qu'elle est incapable d'utiliser son une arme. Elle explique qu'elle est l'opératrice d'infanterie 3ème classe Epsilon, 5ème cohorte binaire, manipule Theta, et elle doit apporter des observations de combat au centre skitaille près de l'entrée. Comment ça, objection? Fait un court serment sur l'incapacité de l'unité à préserver son intégrité corporelle. C'est pas très sympa. On l'examine? Bien que l'unité soit réellement ce qu'elle prétend être, l'inspection inattendue lui fait évoquer l'emplacement d'une cage de matériel d'origine Necron. Son escouade avait voulu l'obtenir sans bénéficier des connaissances des technoprêtres en matière de personnalisation d'armes, en rupture totale avec les ordres de la mission en cours. Hein? Oh putain, c'est quoi ça? Tir dispersé, 4 dégâts physiques aux cibles d'une zone et 2 dégâts. Alors c'est super cher, mais c'est super fort. Super, au revoir à tous. Une énorme représentation d'un vaisseau en forme de faux était au départ accrochée au plafond de cette chambre, mais est tombée depuis, bloquant l'accès. Elle devait représenter le vaisseau mère d'Agrolac, ou un vaisseau standard de sa flotte. Dans tous les cas, c'est devenu un obstacle. C'est orange donc c'est fort. Ah, c'est donc ça. L'explosif, c'est toujours un peu dangereux. On va démembrer avec des coupeurs plasma. Super. En ce moment découpé, une énorme aile s'effondre et du coup Yotep il s'est pris un bout d'aile dans la gueule. Super, super. Tant qu'on est là, est-ce qu'on va pas chercher ça pour essayer de le heal? Vas-y. Eh bah pas de chance. Oh putain ouais, non, le summ event. C'est non-stonk toute la vie hein. Après c'est pas grave, on est globalement bien quand même. C'est bon, juste que la mission sera pas trop compliquée. Après je crois qu'il y a un gros hein, celle-là. Ouais c'est ça, il y a un big Jongus. Donc ça va être chaud hein, quand même.
Donc on a des trucs sur les côtés, on doit scanner là-haut. On a 2 x 2 et 1. Donc ça c'est fort. Ok. Diotep. Gulun. ST. Ranger 1. 2. Ah, j'ai mis ce clic. Oh ça va me coûter très cher. Hein. Ça c'est pas bon. Pas bon. Ça commence bientôt, comment ça? Ah non, on a une demi-heure, c'est bon, c'est la dernière salle, t'inquiète. Merci Yotep, mais c'est bon, on est large. C'est qui? Ah bah c'est Yotep. Je peux tirer Yotep? Pas du tout. Genre, il y a des gens qui peuvent tirer, Yotep lui, il peut pas du tout tirer. Oh là là. Ça commence. Ok, ça c'est bien. En plus, Esti, le maître esquive qui lui chie la gueule. Par contre, en mêlée, chiant. Chiant la mêlée. Mais il va rester là. Oh, j'ai misclic. Oh, ça dégoûte le misclic. Allez, casse-lui la gueule. De dégâts. Vas-y, je n'avance. Faut quand même qu'ils soient en première ligne. Combien? Bah, ma vie de con. Éveil 4, c'est pas dingo. Hein. Vite, les Skitari. Enfin, les Sicariens plutôt. Est-ce que si, ramenez-vous pour de vrai, quoi. Ça, lui, tu le finis. Il va commencer à sniper doucement mais sûrement. Oh si c'est pas beau ça. Parfait. C'est le petit qui se fait tirer dessus, c'est pas grave. Ah, il s'écarte le salopard. Faut pas oublier le gros, hein. C'est dangereux. Hein. Ah oui, et là il faut tuer les bestioles, hein, direct. On laisse pas traîner les cadavres, hein. Toujours plus d'orgues. Et oui, c'est Mechanicus, c'est le plaisir. Thank you.
Toi, t'as rien à tirer de toute façon pour l'instant. Là, tu peux mitrailler. Sur qui tu peux tirer? Uniquement eux là-bas. Vas-y, mon petit ranger. La console, tu lui fous la paix. Par contre, le guerrier, si tu peux le tuer, c'est magnifique. Pas du tout. Bon, au moins, on voit combien il a. Ok. On va contourner tranquillement avec lui. Le nain. Faut courir le nain. Voilà, c'est l'une des meilleures celle-là, hein, de la bande son. Aux musiques, on se met bien. Bon. Et maintenant, il y a le gros monsieur d'Aboria. Tirer dessus, hein. Non, hors de portée, vraiment. Rallye. Si c'est dégâts. Il y a 8 de vie, en vrai ça va. Mais il est vraiment fan à ce point de Kingdom Hearts, Atomium. 3 points de vie, en vrai ça va, on s'amuse bien. Hein. Compte 5. Is ok. Ah mais il joue deux fois par tour. Ça va. Triche moche. Les Skitari, ils vont courir pour le sniper. Hein. Non, les Sicarians, pardon. Pas pareil. Ah, d'accord. Allez, go. Et ça attire des salopards. Hein. Ouais, pas n'importe qui. C'est la merde. Hein. Complètement la merde. Hein. Ouais, et puis il est super résistant. Faut repartir par là. On se casse. Je sais pas, je connais pas trop la soundtrack pour être tout à fait honnête. Un petit peu, hein, vite fait, j'en connais quelques-uns, mais. Ok. C'est qui joue après, c'est immortel, hein. Ouais, ça va, il aura le temps de se heal. Non, je vais aussi arriver à lui, là encore une fois. Potentiellement chiasseux hein, ce que je suis en train de faire, mais. Ouais, il faut courir là. Hein. Cool Hills. Oh mais putain Yotep, t'es dans la merde, t'es trop loin. En fait, c'est toute cette situation plus la merde. Hollow Bastion est une de mes préférées dans la soundtrack. Je ne connais pas malheureusement. Comment on va se sortir de cette merde hein? Ah, il meurt pas.
Mais il est à portée des Skitari. Des Skariens. Donc en vrai. Is ok. Ok, maintenant il faut courir, protéger la position. 30 tête, faut pas trop que je tarde quand même, hein. La conf elle arrive. Aïe. Allez, on va jeune Lune. Je suis toujours dans la merde. Eh non, mais non. Ok, donc lui il est par terre. Cours. Et alors là, au prochain tour, il faut que Yotap il tape le sprint de sa vie, quoi. Ah non, c'est juste un guerrier d'écran lui. Bon, mais ok en vrai. Ça, si on arrive tous là et qu'il me dit qu'il faut tuer tout le monde, je pleure. Je pense que globalement je chiale. Il va se relever. Je viens de capter. Et comme il joue deux fois, il se relève. Pour les problèmes. Il sera. Il est full life. Les problèmes. Le tep, par pitié, cours. Et dis-moi qu'on s'enfuit. Bon, je ne renifle pas la gagne. Non, en vrai, ton perso il est fort. C'est juste que ton perso, s'il se fait atteindre au cac, c'est la merde. Et comme les mecs en face, ils se tapent toutes les 10 minutes. La statue monumentale d'Agrolek est criblée de charges explosives. Lorsqu'elles sont déclenchées, la statue est renversée sur le sol de la chambre et vole en éclats. L'emprise des Nécrons sur Sylva Tebris est vouée à céder sous la pression de l'Adeptus Mechanicus. Les moments de joie sont rares dans les tombeaux aux Nécrons. Et j'ai aimé regarder tomber cette statue. Les ressources utilisées pour cette mission sont amplement compensées par le bénéfice que nous en tirons. Nous pouvons donc jubiler. Croyez-moi, Magos, les Skitari sont plus forts mentalement que les troupes non augmentées. Mais leur morale ne doit pas être négligée pour autant. Je suis content que vous soyez concernés par l'état psychologique de nos troupes. La plupart des technoprêtres ne s'y intéressent pas. La plupart des technoprêtres ne commandent pas ici, alors que moi, si. Qu'il est swaggish. Qu'il est fort, qu'il est beau. Bon, techno... Lune a quand même pris des belles tartes, mais au moins, c'est gagné. Et donc on gagne un technoprète de plus. Ça fait grand plaisir. Magnifique. Oh, 15 de PV rendu là. Secteur Melob localisé. Les premières incursions au sein de ce tombeau ont révélé une vue aussi magnifique que déconcertante. Le tombeau est un vaste réseau de données extraterrestres, sa structure est remplie de colonnes de données xéno, vu que sa structure même est composée de connaissances. Certaines données relient les deux bibliothèques les plus organisées de cristaux de données scintillants. D'autres sont des abîmes où d'énormes piliers se déplacent sans cesse, comme des éléments d'une machine colossale, cherchant et triant sans cesse. L'air vibre sous le volume des informations transitant un peu partout. Ces lieux sont une vraie mine de données. Un technoprète ne peut que la regarder avec envie et impatience. Très bien, très bien. Et donc notre nouveau là, c'est qui? Oliocus. On aura le plaisir de pimper la prochaine fois du coup. Quoi qu'on ait un peu de temps, on va le faire maintenant. Qui c'est Oliocus dans notre équipe? Déjà on va voir qu'est-ce qu'on lui donne comme talent. On a déjà un bourrin. Ça c'est quoi?
pas mal. Hein. Plus il fout les troupes. Lui, il booste les autres technoprêtres. Pas mal. Donc ça en a déjà un, Jinsayer. Pour avoir un pur heal, mais je sais pas si c'est un grand intérêt. Ah, on pourrait avoir un rez. Allez, on va partir sur un Tex Auxiliorum. Je comprends pas tout, mais ça a l'air fort. Hein. On va voir. Assez pour l'instant, ok. Ok, déjà 15, 1 d'armure. Et lui, on va lui donner ça. Ouh. Par contre, alors du coup, ça marche comment? Donc, c'est plutôt cac, hein, quand même, j'ai l'impression. Donc, on va quand même lui donner une petite arme pour se battre. Comment est-ce qu'on va l'appeler ce bon monsieur? Qu'est-ce qu'on a comme vieux régulier? Il y a Daen, il y a Narani. On va dire que c'est Daen. Allez, on va dire que c'est Daen. Et ce sera pas un Magos, je pense. Juste un Tech Priest. Voilà. Tech Priest, Daen. Parfait. Bon, on va encore faire une belle petite équipe. Hein. Magnifique, magnifique. Allez, on sauvegarde là-dessus. Et on va s'arrêter là. J'allais dire Luloun. Non, pas Luloun. YouTube, pardon. On va s'arrêter là, YouTube. Et on se revoit sous le TM pour du Mechanicus. Sia.